rentrer en trading live sur le DAX. Donc là, nous rentrons à l'achat à 405, tout stop de marché à 384, et on va commencer à essayer de faire un travail de trend, un travail de leg. Donc même si on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, on commence à avoir 6 à l'affilée, c'est pas terrible. Maintenant on va essayer de jouer le break de cette BRTL et la validation, donc pour aller essayer de rechercher le 475. Maintenant bon, attention, hein, ce sont vraiment des objectifs larges. Au moins déjà les derniers tops seront de bon augure à aller rechercher ici, et le ratio 1-1 sur 425. Entrée sur le CAC 40 en convergence bien sûr avec le DAX à 495.1, tout stop de marché à 81.1. Voilà, on rend des petites positions tranquilles, c'est pour essayer de participer à la trend. On va essayer de rejoindre les derniers tops à 405.5, voire validation du break de l'ATL, et donc pourquoi pas jouer un petit R2. Modification de trading sur le DAX. Donc là, nous rajoutons une position à l'achat, c'est très tight, hein, à 424, tout stop de marché ici sur 415.5. On joue vraiment la validation sur les derniers tops, et ici on a rajouté un ordre d'achat à 428.9, toujours pour aller rechercher les derniers tops, voire une accélération, je dirais, exponentielle, et enfin valider le break final de notre BRTL 1 heure. Troisième position DAX déclenchée ici, donc à 428.8, tout stop de marché pour l'instant à 415 sur ce niveau ici. Sortie de trading live pour 70 pips CAC DAX confondu. Alors on va laisser la chance. Allez, c'est parti. Voilà, nous sortons nos positions en top de range. L'objectif du CAC a largement été dépassé. Le DAX lui arrive sur ses derniers tops. Donc voilà, la tendance est quand même. Bon, ce serait assez fulgurant qu'on redémarre dès maintenant, mais bon, ça le peut, hein, il y a une belle breakeuse. Mais maintenant, bon, on arrive sur des tops. Le CAC forme une wedge, donc voilà. Et on reparticipera de toute façon à la continuation de la trend.